destin. Bonjour mes petits camarades. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 mars 2022. Il est 11h. Et j'ai fait une sacrée grimpette pour arriver ici aux Dames de Meuse. Hein. Donc c'est magnifique. Le temps est splendide. Bah, quand je suis parti, il faisait un peu froid. Hein. Regardez ça, mon bon pain. Comme il est beau. Oh, 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 oh. Manger ici, aux Dames de Meuse, les copains, c'est quelque chose. Hein. Quelques noix. Ça, c'est pour mon dessert. Voilà. On a du beau fromage de chez mes amis au Puy de la Voye, donc du fromage à la coupe. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau ça. Regardez ça, si c'est pas magnifique ça. Hein? Voilà, voilà. Et puis, j'ai aussi du saucisson de chez eux. Non mais regardez-moi ça. Des belles tranches de saucisson. Regardez-moi ça. Et puis au cas où il n'y aurait pas assez, j'ai quand même une petite boîte de pâté Hénaff. Le pâté Hénaff. Allez, bon appétit. Les miettes, évidemment. C'est pour les fourmis, hein. Aux pommes. Mais regardez-moi ça. Hein? Avec de la belle gelée. Ah bah il m'en faut. Ah oui. Une belle lichette, hein. Ouais, il faut bien ça. On y reviendra peut-être même d'ailleurs. On y reviendra peut-être même. Bon, pour l'instant. On va le remballer. Pour pas qu'il y ait des mouches à merde. Grosse mouche verte. Elles sont vertes et noires d'ailleurs. Qui viennent dessus. Pas la peine d'aller me pondre des asticots sur mon front de pomme. Voilà, voilà. Ce goût, cette odeur, ça sent bon le lait de vache, ça. Ouais. Pousse en l'air, mon Jean-Noël. Faut que tu viennes ici avec ton cheval de fer. Un petit canon? Un petit canon, mon fifi? Ben ouais, hein. L'autre qui répond, bah oui. Hein. Une petite lèvre. Une cuvée d'Arthur. La flotte, et puis c'est tout. Bon. Une petite noix. Ah, pourquoi une? Pourquoi une? Regarde-moi ça. Non mais ça c'est un bonheur, hein. Regarde-moi ça. Il paraît que c'est bon pour le cerveau, enfin moi il m'en faudrait quand même des tonnes, hein. Parce que ce qu'on appelle
le cerneau de noix. Regarde, ça ressemble à un cerveau. Et il paraît que ça fait des miracles là-haut.